Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette team de BG. Ouais, on est tous là. On est avec Camille, on est avec Théa, on est avec Lucas. Salut à tous. Et on est avec Gizzy. Mesdames et messieurs, on est en Grèce. Il y a plein de vidéos qui sont sorties sur toutes nos chaînes respectives. Et évidemment, on est en voyage, on est en Grèce, on est tous ensemble. Et qui dit Grèce, qui dit voyage, qui dit équipe de la team Badon, bah dit cache-cache. Un gros cache-cache. On est du coup dans une villa actuellement en Grèce. C'est vrai que bon, dit comme ça, voilà, mais regardez, la vue qu'on a juste devant nous, c'est incroyable, la villa est phénoménale. Et donc du coup, on va faire aujourd'hui un cache-cache. C'est très simple, il n'y a pas besoin d'expliquer plus, mesdames et messieurs, vous connaissez les règles. C'est moi qui commence à compter dès le départ. Autre subtilité. Bon, il y a peut-être des avions qui passent. Avant de commencer cette vidéo, sachez juste qu'elle est sponsorisée par Nvidia. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Attention, je mets un minuteur sur 2 minutes. 3, 2, 1, c'est parti, vous avez 2 minutes. Allez, salut, ça dégage. Moi, je pense que c'est bon, je suis caché. Bah, je crois pas, hein. Tu crois pas? Bah, là, je pense qu'il va te voir direct. Ah, d'accord, merde. Faut savoir que c'est assez dur et après, on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de cachettes. Je stresse? Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a pas trop. Donc, du coup, moi, je vais aller me cacher et puis je vais fermer mes yeux, évidemment, comme d'habitude. Je vais juste me mettre, hop, dehors, comme ça, ici, là. Et là, au moins, ils peuvent se cacher où ils veulent. J'ai une bête de cachette, les gars. Regardez ça. Je vais essayer de me mettre là-dedans. Bon. Tu sais que de base, on s'est dit, ou même, on avait un doute si on faisait le cache-cache parce qu'on a l'impression qu'il y a très peu de planques. Après, j'ai l'impression qu'on est tout le temps ça. J'espère qu'il va pas me voir. Ah, putain. Ils ont 2 minutes, c'est un maximum de stress, putain, les gars. Je vous jure, c'est comme pour la première vidéo qu'on avait fait à Badon. Attends, je vais t'aider si tu veux. Aïe, mais arrête. Alors, si t'es pas claustro, je comprends pas. Mais je te laisse incroyable, non? T'es mal à la taille de la galère. Il va me trouver instant en fait. Aïe, oh putain. Les cache-cache, c'est la vida loca. Je sais que vous adorez ça, putain. Vraiment le cache-cache, j'adore ce jeu. Je laisse un peu de lumière, sinon je pense qu'on me voit pas du tout. Ouais, non, c'est peut-être pas le bon bail, Lucas. Je stresse, je sais pas quoi faire. 2 minutes, ça passe giga vite aussi, faut dire. Non, mais je te jure, frère, je te jure que à mes 50 ans, j'espère que je ferai encore des cache-cache. J'adore ce jeu. Ah putain, je m'investis trop dans cette vidéo. Les gars, c'est chaud sa mère, non? Ouais. Moi, j'ai une trop bonne cachette. Toi, t'es où, toi? Je suis sous l'évier. Non. Oh, putain, elle est trop bien. En vrai, il y a là en dessous, mais c'est facile. En vrai, je vais essayer un truc. La 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 la. C'est impossible de monter là. Il tire à sa mère. Les gars, j'ai des cachettes de ouf. J'ai des cachettes de malade. Putain, let's go, ça part. Let's go, ça part. J'arrive! Mais je passe pas du tout, en fait. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, j'annule le plan. Bah, je suis hyper visible en fait. Putain, les gars, c'est trop dur, sa mère. Je rêve vraiment. J'ai trop le seum. Je me suis fait archi mal en plus. Vraiment, là, comme ça, du premier coup, j'ai vraiment vu des putains de pieds. J'ai rampé par terre en plus. C'est mon record. J'ai jamais trouvé quelqu'un aussi rapidement de ma vie. Avant, moi, je suis trop content. Hein. Je passe dans son valise en vrai. On va rentrer directement dans la villa. Donc du coup, au niveau des espaces où on peut se cacher, on a toute du coup la villa avec la terrasse. Pour vous situer, la maison, elle est sur 3 étages. Enfin, je veux dire, il y a le rez-de-chaussée, le premier étage et puis il y a le sous-sol. Tellement d'investissement pour si peu de temps caché. C'est trop bizarre qu'il n'y ait personne ici. Et voilà, c'est pareil, le canapé aussi, là, c'est obligé. Il y a quelqu'un qui s'est caché derrière le canapé, c'est une cachette classique, ça. Où est-ce qu'ils sont, les petits frérots, là? Oh, putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un ici, hein. Gros, j'ai bégayé. J'ai vu le miroir, je me suis vu dans le miroir, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était caché derrière moi. Là, c'est le moment où je me dis, est-ce que je vais en haut ou est-ce que je vais en bas, là? Va en haut, s'il te plaît. En bas, là, vas-y, on va en bas. Non, putain. Yes. Bah, c'est mort, les gars, je vais compter, c'est sûr. Et s'il y a quelqu'un qui est caché en bas, j'arrive, hein. Je préfère vous le dire, là, il y a la pression qui monte, hein. Et en vrai, je suis choqué, hein, je sais pas où vous êtes caché, mais je pensais vous trouver quand même beaucoup plus rapidement que ça, là. Imaginez, là, jouer un gros cafard sa mère. Je me suis défoncé. Ok, je rentre dans la chambre de Lucas, je crois que j'ai entendu du bruit là-bas. Ça se trouve, Théa, elle est en train de parler avec les autres. Bah, je crois que c'est le fameux moment, hein. C'est le fameux moment où je dois rentrer dans cette salle de bain en sachant qu'il y a quelqu'un qui rentre. Je crois qu'il a trouvé du cœur. Je voulais trouver une cachette en bas, tu vois. Et en fait, j'ai tenté et c'était impossible d'un point de vue physique d'y aller. Et du coup, j'étais entendu arriver, j'ai fait bon, j'ai que ça, la pire du monde. Ah, je suis KO, putain. Trop cool cette partie de cache-cache en tout cas. T'as trouvé qui? Ah, bah j'ai trouvé Théa, vraiment 5 secondes après que je sois parti. En 5 secondes chrono, il m'a trouvé. Bah, je sais où il y a une autre personne. Obligatoirement, les deux autres sont au-dessus, bien sûr qu'ils sont là. Les frérots? Je crois que c'est... Attends, je rêve ou j'ai entendu Gizzy rigoler là? Bah, je crois que c'est le moment, hein. C'est le moment où je vais devoir vous trouver, les petits potes, là. Attends, mais en vrai, par contre, c'est improbable. Si vraiment, là, j'en trouve aucun ici, ok, donc il y a personne dans la chambre de Théa. Parce qu'ils vont m'oublier, hein, ils vont rentrer en France, je serai encore là-dedans. C'est oublié... Attends. J'entends rien d'ici, le bâtard. Ah, putain, Kali qui a gagné, mais c'est logique, hein. Putain, merde, où est-ce que je vais se cacher?
ça. C'est... Ah ouais, je... Putain. Bah attends, mais Camille est pas là. Mais oui, j'attends, par contre, si Camille est pas là, elle est où? Je crois qu'elle est rentrée en France, Camille. Hein. Putain, j'en étais sûr! J'en étais sûr, sa mère! Attends, mais comment elle rentre là-dedans, elle? Ah ouais, en vrai, j'étais pas trop mal là-dedans. Hein. J'avais juste peur qu'il y ait genre un cafard ou quoi, mais... Ça faisait partie des cachettes que je voulais utiliser, putain de merde! Mais je savais pas que c'était si vide, là. Oh, mais vas-y, en fait, c'était hyper grand. C'est pour ça que j'ai enlevé la putain de poubelle hier. Ah, il avait préparé son truc! T'étais où, toi? Ah, lui, vraiment, il était sous les draps de ton lit dans ta chambre. C'est hyper nul! Et je rentre, vraiment, et là, je bégaye comme ça, je reste devant, et là, je le vois faire. Bon allez, ça part hein. Bah du coup, c'était là que j'ai trouvé en premier. Merci à Nvidia de sponsoriser la vidéo. Nvidia GeForce Now, c'est un système de cloud gaming. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un logiciel. Par exemple, imaginons, t'as un PC qui est pas très performant. Et ben avec Nvidia GeForce Now, tu vas pouvoir justement, entre guillemets, prendre le contrôle d'un jeu qui tourne sur un autre PC qui est vachement plus puissant. Sauf que en fait, tu vas y jouer, mais depuis ton PC qui lui n'est pas très puissant. Et tu vas aussi pouvoir jouer depuis ton téléphone, depuis par exemple ta tablette. Genre ton iPad, ta tablette, peu importe. Tu peux lier tous tes comptes de jeux que t'as sur PC. Les launchers comme par exemple Origin, avec Epic Games, avec Steam, et ben tous tes jeux de toutes ces bibliothèques, et ben tu les gardes et en fait tu peux directement y jouer et ça se lie, en fait ça se connecte directement. Le système il est présent dans plus de 70 pays, il y a plus de 1000 jeux qui sont disponibles à l'heure actuellement avec Nvidia GeForce Now. En plus de ça, évidemment, les jeux sont systématiquement mis à jour, vous avez deux abonnements. Le premier, il est gratuit, donc tu peux le tester après la vidéo, il est gratuit. C'est-à-dire que tu vas avoir un accès standard au service de chez Nvidia GeForce Now, où en gros tu vas pouvoir jouer pendant une heure. C'est juste en fait c'est des sessions de 1 heure à chaque fois. Et ça, c'est un abonnement qui est gratuit. Et ensuite, on a l'abonnement prioritaire qui est à 9,99€ par mois ou alors 99,99€ par an. Et du coup, cet abonnement, il va te permettre d'avoir un accès prioritaire sur les jeux. Et cette fois-ci, c'est pas des sessions de 1 heure, mais c'est des sessions de 6 heures. Là, j'ai envie de me faire une petite partie. Bah, c'est très simple. Je clique sur l'application. Donc, par exemple, j'ai Mirror's Edge Catalyst. Je clique sur jouer et c'est tout ce qui se passe. Et ça y est, je suis directement dans le jeu. Je suis en train de jouer à Mirror's Edge Catalyst depuis mon téléphone avec une manette directement, comme si j'étais chez moi tranquille. Sur certains jeux qui sont disponibles avec Nvidia GeForce Now, il y a le RTX. Le système RTX, c'est une façon en fait de simuler la lumière et c'est du coup directement une technologie qui provient de chez Nvidia. Vous avez aussi la technologie du DLSS qui va vous permettre justement avec le ray tracing de gagner encore un gain de performance. Là du coup, comme vous le voyez, je suis en train de jouer à Mirror's Edge Catalyst, c'est un jeu de chez EA et GeForce Now a accueilli depuis le 30 septembre EA dans son catalogue de jeux. Merci beaucoup à Nvidia GeForce Now d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez tester cette solution de cloud gaming chez Nvidia, c'est dans la description, vous avez le lien, vous avez tout dans la barre d'infos comme d'habitude et on repart direct avec la vidéo. Bon allez les gars, 2 minutes. Ok, 2 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen si je me fous derrière tous les coussins en long ou derrière les rideaux? Attends, j'ai peut-être un espoir les gars, faut que je me dépêche, hein, parce que si c'est pas ça, faut que je rentre vite à l'intérieur. On dépêche toi parce que moi j'ai pas de temps là. Mais tu penses que ça va passer? Non, en vrai, ça va. Hein. Je vais aller à la cachette où Lucas, tout à l'heure, quand Lucas, il était là et qu'il me disait « Ouais, j'ai voulu aller là-haut. » Petite visite du quartier. Bon, ouais, c'est pas la meilleure partie de la Grèce. Hein. Faudrait en mettre sur le dessus aussi. En vrai, c'est drôle. Hein. Ah, vas-y, laisse surtout tes claquettes juste devant hein, l'entrée. Hein. Attendez, j'entends, ça rigole. En gros, là, il y a l'espèce de local piscine, là. Oh, ça fait trop peur, laisse tomber, vas-y. Frère, ça se referme même pas, déjà. Et jamais je rentre là-dedans, vous êtes fous. Mec, il y a 8 démons là-dedans, là. Plus que 35 secondes. Attends, vas-y, tu peux me resserrer plus, tu veux, tous les coussins. Là, c'est bien caché, en plus. Allez, je me casse. Lucas, il a dit ouais, c'est pas possible et tout. Bon, t'inquiète pas qu'on va tenter d'y aller, hein. Moi... Ah, waouh. Bon, je suis désolé, là, le cadrage, ça va être lent. Oh, c'est pas mal en vrai, Camille, je crois. En vrai, ça passe, moi, ou pas? Ouais, ça va. Et du coup, je me demande où est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver où se cacher. Oh, putain, merde. Oh, putain. Oh, oui, je rentre. Ah, mais je suis rentré dans le mauvais sens, là. Putain, mais je sais pas où me mettre. Je vais tenter en haut. Alors, vous savez qu'en haut, j'ai l'impression que je suis jamais allé du séjour. Ce jeu me fait stresser, les amis. Bah, en vrai, je pense qu'il y a au moins une personne qui va se cacher dehors. Oh, putain, oui, j'ai réussi à me retourner. Est-ce que je ferais pas juste pour un cache-cache, moi? Franchement, je suis compressé. Oh mais t'es là toi? Oh putain, t'as réussi à monter? Tout à l'heure quand tu m'as parlé de cette cachette, j'avais pré-shot aussi d'y aller. Ah bon? Oh putain, mais oui, merde, la chaise. Attends, je t'enlève, tu vois. Non, voilà, c'est impossible. Bah Guizzy, je crois que je t'ai trouvé hein. Vas-y, en vrai ça me saoule wesh. Bon ça va, t'as fini avant-dernier la dernière partie. Mais qui regarde là? Ok, bon bah celui qui est dehors c'est bon, je l'ai trouvé, je pense les autres qui sont à l'intérieur en vrai. Ah si, je l'entends arriver, c'est pas possible wesh. Oh, je vais me retrouver dans la même merde, je vais faire la même cachette gros. Toujours plus discret sa mère. C'est le gars qui se cache en faisant autant de bruit comme ça.
Attends, t'as été trouvé? Hein? T'es trouvé? Hein? T'as été trouvé? Bah tu te doutes bien. C'est la cachette la plus confortable en vrai. Oh non, c'est la meilleure cachette. Ouais. Non, putain de merde. C'est la meilleure cachette. Putain, ça se voyait de ouf en fait, mon t-shirt et mon short. Par contre, je veux bien te filmer en train de descendre parce que ça a l'air hilarant. Ah putain, c'est vrai que j'avais une chaise, je l'ai plus. Oh ouais, sans déconner, on est où là? Là, je vais avoir un effet de balancier, mais t'inquiète, tout va bien. Hein. Wesh, eh, mais wesh, je suis Spider-Man ou quoi? C'est quoi ça? Mec, je pensais que t'allais t'en sortir avec beaucoup moins de dignité. Trop chaud là-dessous, hein. Trop chaud. Bon allez, Lucas. Ah, moi, je me fais chier, hein. Alors, je sais pas où les autres, ils auraient pu se cacher. Attendez-vous. Ah, putain. Bah ouais, incroyable. Attends. Je cache tes claquettes parce que c'est ce qui m'a fait comprendre que t'étais là. Oh non. Tu m'as pas vu? Bah mec, là, je te vois, hein. Bah là, ouais. Ah vas-y, du coup, en plus je suis mouillé. Je pensais pas que ça allait tomber sur moi, je suis dévasté. Putain. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Bah moi j'ai été trouvé en bas. Ah t'as été trouvé? Mec, elle a passé la barrière, j'étais sous le baldaquin et... Je vais leur faire croire que je me suis pissé dessus de stress. Plus jamais j'aide personne, c'est bon? Plus jamais! Bon bah il reste plus que moi, hein. J'ai encore gagné. Soyez des winners les gars. Mais il me manque que Camille, encore une fois Camille a gagné. Les amis, j'ai stressé, je me suis pissé dessus. Attends, c'est à dire? Bah, tu sais, quand tu fais un caca, souvent tu stresses un peu. Mais là, tu stresses encore là. Tu goûtes là. Je trouve que t'as quand même vachement stressé de ouf là. Mais attends, mais elle, par contre, elle gagne tout le temps, hein, déjà la dernière fois, je crois. Mais Camille, je pense qu'elle adore en vrai. Je suis vraiment trop forte, c'est abusé. Et merci Kizzy de m'avoir aidé. Meilleur cache-cache de ma vie. Tout ça pour une vanne quoi. Putain, Camille est trop forte. Je la trouve pas. Ouais, c'est le problème, c'est que du coup, en dehors, en soi, les cachettes, elles sont tellement faciles. Vas-y, moi, pendant ce temps, je prends le petit déj. Hop là, bam. Mais attends, mais what the fuck? Bon, bah, elle va se faire chier là, hein, elle descend. Hein. Bon, je pense pas, hein, je pense pas qu'elle est là. Elle est dans cette pièce là. Non, mais attends, mais je suis bigleuse. C'est fou! C'est fou d'avoir une cachette si nulle et de finir dernière! Putain, mais ce qui est incroyable avec elle, avec son corps, elle peut se cacher partout! Franchement, j'étais en train de taper une sieste à la fin. Meuf, c'est incroyable! Alors vraiment, j'ai fermé les yeux, j'étais juste bien. Moi, il y a juste un détail, c'était juste que je suis venu dans cette pièce, j'ai rien vu. À part deux claquettes à elle, roses. Commencer à compter, j'ai 2 minutes, c'est bon. Ok, 3, 2, 1, j'y vais. Moi j'ai une idée. Bon, mais c'est parti, on va compter. Hein. Camille, je peux me remettre dans ta cachette? Ouais, vas-y. Je me remets là, il va jamais regarder, non? Si on l'enferme dehors, Gizzy, il peut pas nous trouver. Un Dims 1082. Si j'avais un setup, c'est d'aller dans l'eau. Genre, vraiment, si je me mets dans l'eau, c'est sûr, l'eau, il peut pas checker, tu vois. Aïe, tu peux fermer juste cette porte-là? Juste celle-là. Bon les amis, je crois que je suis le pire joueur de cache-cache au monde, ok? Vas-y, ça me rouffe les gars, je suis trop nul. 37 021, 22, et après 22, il y a abonnez-vous à la chaîne de Neoxy juste en dessous. C'est fou, le numéro, je le connaissais pas. Mais putain, c'est trempé sa mère. Je sais pas où aller. Bon, en vrai, c'est pas si inconfortable. Bon, je resterai pas 1h30 non plus quand même. Hein. J'y vais. Il arrive, je l'ai vu. Non, déjà, comment ça il arrive? Moi, je touche rien. Bon, pour le coup, j'entends vraiment quelqu'un parler. Hein. Camille, il y a une cachette, si tu descends l'escalier, tu vas en bas et tu peux te cacher derrière l'escalier, en fait, à la toute fin. Vas-y, je le tente. Hein. L'escalier, sympa. Bon, il y a personne là-dessous. Pas logique, en vrai, j'ai fait la même chose qu'il y a quelqu'un dehors, mais il y a quelqu'un dans l'eau, là. Non! Mais gros, mais je comprends pas! Je comprends pas, je vois plein de mouvements dans l'eau! Je t'ai vu au dernier moment, genre je me suis dit, bah rentrer à la maison, mais je scrutais de ouf comme ça pour aller au bon moment dans l'eau. Donc je me suis foutu dans l'eau en ayant zéro respiration. Et je me suis dit, non, il faut que je remonte, c'est plus possible. C'est fou et je suis sûr que c'est toi qui as la meilleure cachette, gros. Putain, mais c'est sûr! Putain, elle a déjà trouvé quelqu'un. Les gars, j'ai aucune idée de quoi faire, ok, qu'on soit bien d'accord. J'ai l'impression que c'est vraiment la pire cachette. Mais bon. Franchement, moi je vais tout retourner, je vais tout ouvrir. Ah non, je suis deg, sa mère, je suis deg. Derrière les coussins, on sait jamais, hein. Bon voilà, du coup je t'ai trouvé. Oh, je suis deg. Non, en vrai, ce qui est bien, c'est que t'as laissé la porte ouverte. Mais je me suis dit que t'allais pas re-regarder. En vrai de vrai, ça c'était incroyable. J'ai failli ne pas ouvrir cette porte. Je suis déçu. Je vais vite faire aller en haut. Oh, mais par contre, on a un joli avion qui passe, regardez ça. Voilà, j'aurais pas tout perdu moi dans cette manche. Là-dedans. Là-dessous. Voilà, du coup t'es dedans.
Tu te doutes bien que c'était la même cachette que moi aussi. Mais gros, il y a zéro cachette, on est d'accord? Mec, par contre, en vrai, c'était pas mal. Je l'ai pas vu tout de suite. C'est vrai? J'ai juste vu. Dommage, t'es grand. Parce que le coussin, il était un peu là, sur ton pied. Ah putain. Je pense que c'était parfait. Ah merde. Bon, du coup, ici, bah, c'est Camille qui a encore gagné. Hein. Putain, je l'ai trop bien caché, fais chier, c'est faux. Attends, il reste Camille encore? Allez où, Camille? Ouais. Bon bah du coup je t'ai trouvé hein. Oh non. Et voilà. T'as eu Camille là? Je les ai tous trouvés. Putain mais ouais elle gagne toutes les manches. En vrai là tu sais qu'elle a juste gagné par rapport au fait que j'étais en haut au lieu de en bas. Ah ouais? Ouais c'était de la chance. Ouais. Bon, en fait je me suis dit quand t'arrives il y a moyen que tu partes et tout. Là j'ai ouvert toutes les portes, je suis arrivé, j'ai tout retiré de partout. Mec moi j'ai fait un speedrun gros. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, peut-être que j'ai voulu me gâcher à la piscine mais à un mauvais timing quoi. Mais oui mais j'arrive et tu sais je vois des bulles flotter. Tu sais il remonte à ce moment là en mode. Tu te doutes bien qu'on se regarde dans les yeux quoi hein. Putain j'ai pensé aussi là, dans la piscine et après je me suis rappelé qu'on n'est pas des poissons quoi donc. C'est qui a perdu? C'est ouais mais c'est toi qui va compter. Ouais si tu veux Camille je peux compter moi je suis haut. Camille c'est un 3-0 hein. Ok bon du coup dernière manche. Les amis je cherchais du coup là. Ok bon bah dernière manche c'est Lucas qui cherche. Et bon courage à vous hein. Franchement là il y a beaucoup de choses qui ont été faites hein. Attends je cherche où déjà? Sur la route. Vas-y je retourne à Paris. J'ai plus d'idée. Bon, en vrai de vrai, c'est grave chaud de trouver des cachettes dans la villa parce que c'est que des trucs genre tu vois, c'est assez espacé donc du coup on voit. J'ai analysé toute la maison de A à Z donc ils vont pas me résister longtemps tu vois. Regardez, elle va prendre la cachette que j'allais aller hein. J'ai une trop bonne cachette. Par contre là ça fait peur hein, il doit y avoir des giga trucs de l'enfer. Oh c'est mouillé. En vrai je vais aller sur le baldaquin hein. Je vais essayer d'aller au-dessus hein. Oh, ou alors j'essaie d'aller là-haut. Putain mais mec si tu fais ça t'es le boss gros. Qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose d'un peu débile. Mais moi vraiment quand je joue au cache-cache, je joue ma vie quoi. Ah mais je passe pas du tout là. Ah son tour hein. Par contre on dirait que j'ai fait ça toute ma vie hein, faut que je me calme. Ah bah là par contre faut vraiment que je me calme, wesh. Je suis un chat ou quoi? Je suis zéro sereine, j'ai les claquettes mouillées. Je crois qu'il y a des caméras de sécurité en vrai. Clairement fait, hein. Wesh, les gars, qu'est-ce que je viens de faire? Bon, bah, dernière option, dans la douche. J'ai l'impression d'être le gars là dans Very Bad Trip qui est laissé sur le toit. Putain, c'est ça le problème avec moi quand je joue au cache-cache, c'est que je prends vraiment mon rôle 3 cœurs. C'est sûr, je vais me faire trouver en premier film. Par contre, si Deo Clee réussit, c'est masterclass. Hein. J'ai juste peur qu'il meure, par exemple. On va pouvoir y aller. J'arrive! Il arrive! Oh putain! Oh, il arrive! Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Ouais, personne. Là, on entre dans le sérieux, là. Il vient de passer. J'ai passé cette étape, c'est incroyable. Oh, mais si, voilà, il va nouer, il va se douter. Il est rentré. Derrière le rideau, les gars, on connaît ça. Pour l'instant, personne dans cette salle, ok? Sachez qu'en plus, on doit rendre la villa dans quelques minutes. Hein. Donc à tout moment, il y a la proprio qui passe, elle me voit sur le toit, elle me déglingue. Bon, c'est grillé de ouf, hein. On va faire genre. Les gars, l'avion était décalé, il est plutôt là, faut qu'on parte maintenant, vas-y, sortez. Tintintin. Comment ça, je trouve personne, là? Putain, en plus, vu que je suis pas dans la maison, je sais pas ce qui se passe. Si jamais vous voulez savoir, les gars, ce matin, on a vécu un tremblement de terre à son tour. C'est sûr, il me prend, c'est sûr, il y a un bail. Là non plus, dans la douche non plus, ouais, ok. Et là, à mon avis. Mais quand ils sont cachés là, ça me fait trop peur, je vois même pas. Mec, cet endroit, ça fout long. On m'a pas trouvé. Putain, pour le moment, il y a Oxy, il a pas encore été trouvé. Putain. En vrai, la vérité, c'est qu'on doit rendre le Airbnb à 11h. Il y a la meuf du Airbnb qui va arriver. Je suis vraiment putain de cachée dans la douche. Je vais faire du feu, les gars. Il est pas retourné dehors. Hein. Il se doute pas. Hein. Oh, putain, il y a la proprio. Non, il faut que je sorte, il y a la proprio, vraiment. Dit qu'on avait le droit de se mettre derrière le mur. Bonjour. Attendez, mais c'est la meuf de qui gère la maison, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle est là, la meuf, putain. Ah, il y a la dame de la maison qui arrive. Elle doit rien comprendre à pourquoi je suis en dehors du truc. Elle est dans la villa et elle doit me voir ici, elle doit se dire, mais gros, comment il a fait pour venir ici? Je suis mort, putain. Elle doit... Oh, merde. Ah non, s'il te plaît, dis-moi que je suis pas le premier à être trouvé. Le premier à être trouvé, mon gars. Non. Putain, en plus, j'y pensais à cette planque, j'ai juste la flemme d'y aller. Non, mais gros, la planque, elle était pas là de base, j'étais là-haut. Quoi? Gros, je viens de faire une story time là, j'étais planqué là-haut. J'étais planqué là-haut. Hello. Faut qu'on parte dans 10 minutes. Les amis, rebondissement de ouf, on a que 10 minutes pour rendre la maison, donc faut les trouver vite. No problem, thank you.
Ok, c'est bon, je suis là. Ouais, il faut peut-être que je reprenne mon téléphone. Oh la dent là, les amis, écoutez-moi bien. J'autorise le plus grand catcheur de tous les temps à mettre 8 patates pleines têtes s'il n'y a pas quelqu'un derrière ça, ok? Ok, conseil ma Claire. C'est bon. Je suis sain et sauf, ça va. C'est la deuxième là? C'est tout? Mais je vous jure, j'ai tout fait gros, ils sont nulle part. Hein. Non. Allez, les gars, c'est incroyable ce qui se passe dans cette vidéo. Ah bah, je suis sûr, il est derrière les buissons là, il est dans les buissons. Oh, le petit Dizzy, je l'ai vu là-dedans là. Mec, t'es trop bien caché de ouf. Oh, mec, t'es masterclass. Oh, me fais chier. Oh, j'ai trouvé Théa, Valentin et toi. Mais c'est fou qu'elle gagne toujours. En vrai, ça me dépite, frère. Oh putain, c'est vrai, elle a encore gagné, mais c'est affolant. Elle est dans la seule salle où on a jamais été, les gars. Ah, c'est celle en bas là. Ah, j'ai trop peur de ça. Oh, mec, oh, ça, c'est la première salle où je suis allé au début. Et j'ai dit, oui, ça avait peur, j'ai pas. Ah, mais non, elle est vraiment là en plus. Oh, je suis dévasté, mais gros, t'aurais dû être la première. Mais t'as pas entendu? Si, alors déjà, on n'entend rien des gens qui parlent avec le bruit qu'il y a là-dedans. Il arrive, je vois la porte qui commence à s'entrouvrir. Du coup, je me mets droite, enfin, je bouge même pas d'emplacement. Et j'entends juste, ah, ça a l'air ignoble, là, j'y vais même pas. Et il se casse sans même avoir ouvert la porte en entier. Putain, mais t'étais caché où? J'étais là. Hein? Je pouvais rester, mais sans problème, sans qu'il me voit. Je commence à être là à dire, ah, mais par contre, les gars, je croyais la meuf du Airbnb qui va passer. Et genre, si elle est là, elle va passer pour qu'on rende le truc et tout, elle va canner. Au moment où je dis ça, je vois sa tête là qui passe pour venir et je fais oh. Et là je me tape un sprint. Oh putain. Je vais en arrière et j'arrive à sauter au dernier moment derrière quand elle arrive. Et du coup elle me voit de l'autre côté alors qu'elle venait juste de passer là, tu vois. Donc elle a dû se dire qu'est-ce qu'il fait lui. Putain, j'adore ça. C'est incroyable. Mais ouais, par contre Camille, ouais, elle a gagné tous les trucs, c'est incroyable. Putain, j'adore ça. Masterclass de Camille. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi ça m'a fait rire. Moi j'ai trop aimé. Mais je pense que la prochaine fois c'est Camille qui fait que compter. Ouais, c'est beaucoup trop bien, vous se calme un peu. Comme d'hab, hein, si le concept vous a plu, le petit cache-cache des familles comme ça, tranquille, mettez un petit pouce bleu. Et puis allez voir les petites vidéos qu'on a fait tous ensemble, c'est grave cool, c'est grave chill. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de toutes ces petites personnes qui sont présentes ici. On vous fait de gros bisous. Ciao tout le monde. Salut à tous.